Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur des figurines compatibles avec les briques Lego, ou les briques Kobe d'ailleurs et d'autres marques. Et comme vous le voyez, ça va être des petites figurines Link et une Zelda. Alors je vous les montre rapidement un petit tour, donc il n'y en a que 4. Il y a différents vendeurs qui ont différents modèles, donc vous allez voir dans la description le lien vers le vendeur auquel je les ai pris. Mais moi j'ai pris des modèles qui sont vraiment magnifiques. Donc on a 3 Link. Voilà, vous en voyez un avec le bouclier qui est vraiment bien fait, regardez, il y a les dessins, la Triforce, la peinture bien faite, j'en ai vu où le bouclier était blanc, là c'est vraiment les vraies couleurs. Argenté, bleu avec le logo rouge, on a l'épée, on a le petit Link, sur le support on a, plutôt dans le sens d'ailleurs, une tablette Sheikah. Et on a ça pour les 3 Link, alors celui-là est magnifique. Il a le bouclier rond, il est tout bleu, il y a l'arc aussi qui est superbe. D'ailleurs vous avez le carquois avec les flèches. Le bouclier est vraiment bien fait. Alors faites attention parce qu'il y a un site qui s'appelle Pifu Toys qui vous les vend je crois à 5 ou 10 euros le lot. Et ces figurines là sur AliExpress je les ai pris, elles coûtaient moins d'un euro chaque figurine pour offert. Donc voilà, c'est aussi l'intérêt de ces vidéos, c'est de vous montrer pour vous faire escroquer. Et là celui là c'est mon préféré, c'est le vert flashy. Le bouclier toujours pareil avec la Triforce. Toujours la tablette Sheikah. Et il y en a quand même une Zelda. Voilà, alors je sais pas ce qu'ils ont voulu y faire avec le truc bleu dans la main. Mais la tenue est sympa, il y a la Triforce. Je sais pas si vous allez voir, c'est du doré en fait. Voilà. Alors en plus la figurine, vous voyez, elle tient bien, parce que souvent certaines figurines chinoises, le corps s'emboîte mal dans le socle pour les personnages comme ça, mais là ça tient bien. Vous la mettez sur son support. Et voilà, vous avez une petite princesse Zelda. Donc je sais pas si après ils feront d'autres modèles, hein, je sais pas moi, des ennemis, des trucs comme ça. Et si vous avez envie de vous faire un petit mock en briques Lego ou adobriques sur Zelda, ben, vous le savez maintenant, vous avez des figurines. Voilà, qui sont superbes. Encore une fois, je vais vous montrer le bouclier d'ailleurs. Alors attendez. Là, vous avez le bouclier, il est tout petit, il est bien fait. Et même le Link. Vous voyez les détails. L'expression du visage. Les cheveux tiennent bien. Les jambes, c'est peint devant. Enfin, c'est peint. C'est décoré devant et derrière. Tiens, j'ai enlevé les cheveux en parlant. Donc, regardez bien dans la description le lien. Moi, je vous mets le lien vers le vendeur où j'ai pris. Parce que je vous ai dit, il y a différentes marques de mini-figurines. Voilà, il y a des marques, il y a Xin, il y a Pogo, il y a WG. Des fois, les vendeurs mettent leur propre nom à la place de la marque, c'est pas évident. Mais là, je vous l'ai dit, j'ai dû les payer, je crois, 80 centimes par figurine. Voilà, 80 centimes, ça fait quoi? 8 et 8, 16, ça fait 3,20 euros, c'est pas excessif. L'épée est plus grande que le personnage, d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu. Regardez, l'épée est plus grande que Link. Là, il y a un petit souci de proportion. Je sais pas où il va ranger l'épée, mais elle va être un peu encombrante. Donc je vous l'ai dit, vous allez voir dans la description le lien vers ces mini-figurines. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est pas du Lego. Il y a des custom Lego, mais ça vaut la peau des fesses. Vous avez des vendeurs qui voulaient vendre celle-là pour la peau des fesses. Donc ne vous faites pas avoir surtout. Celle-là, je vous le dis, moins d'un euro par figurine. Et sur ce, ben moi je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur des mini-figurines. Ciao tout le monde!